Les voilà, les premiers Rafales commandés par l'Inde à la France. Ils se sont posés sur le sol indien ce mercredi. L'Inde a acheté 36 avions de combat Rafale pour une somme estimée à 9,4 milliards de dollars. Paris espère que l'Inde, qui avait évoqué 57 appareils il y a 3 ans, poursuivra ses achats. De quoi largement renforcer la capacité de frappe et de dissuasion militaire de New Delhi, engagée dans plusieurs conflits territoriaux, celui du Cachemire avec le Pakistan et plus récemment dans la région du Ladakh, frontalière de la Chine. Des combats armés ont eu lieu en juin dernier sur cette zone himalayenne, désertique et montagneuse, une première depuis 45 ans. Ils ont fait une vingtaine de victimes côté indien et un nombre indéterminé côté chinois. Des milliers de troupes ont été déplacées le long de cette frontière contestée par les deux pays, qui promettent aujourd'hui pourtant qu'ils recherchent l'apaisement et que des discussions de paix ont été entamées. Des manifestations anti-chinoises ont aussi eu lieu en Inde et des appels au boycott ont été lancés contre des produits chinois. Le gouvernement indien a par ailleurs interdit une centaine d'applications smartphones chinoises au nom de la sécurité nationale, parmi elles par exemple la plateforme de partage de vidéos TikTok.